Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des tests d'admission pour rentrer dans les universités américaines. Je vais peut-être lancer un petit sondage pour savoir un petit peu qui vous êtes. Donc, pendant que je fais ma présentation, si vous pouvez répondre au sondage. Donc, on va parler de tous ces tests qui sont obligatoires ou en tout cas fortement recommandés pour les étudiants, qu'ils soient américains ou internationaux, qui souhaitent partir dans une université américaine. Donc, je vois que la plupart d'entre vous, visiblement, vous avez le niveau master, donc on verra quels tests sont particulièrement importants pour les masters. Donc moi, je représente le Centre éducation USA de la commission Fulbright franco-américaine. Donc la commission franco-américaine, juste pour vous donner une idée, donc c'est un organisme franco-américain, comme son nom l'indique, subventionné par les deux gouvernements à travers le département d'État américain et le ministère des Affaires étrangères. Et cet organisme international a deux missions principales. La première, la gestion du programme de bourse Fulbright. Je ne vais pas trop en parler aujourd'hui parce que pour la rentrée prochaine, en tout cas, le cycle 2020-2021, toutes les dates limites sont closes pour les bourses de la Commission. Mais si vous êtes intéressé par le cycle 2021-2022, toutes les informations, la sélection débutera en septembre 2020 et généralement les dates limites sont à partir du 1er décembre. Qui précède la rentrée, le cycle qui suit. Donc, gestion des bourses Fulbright. Le programme Fulbright, c'est un programme international qui existe entre les États-Unis et plus de 160 pays dans le monde. La Commission franco-américaine, nous avons des bourses pour les personnes qui sont de nationalité française, qui vont aux États-Unis et les Américains qui viennent en France. Surtout pour faire le niveau graduate, c'est-à-dire soit pour faire un master, soit pour faire un doctorat ou pour faire de la recherche. Donc, nous n'avons pas, par exemple, de bourse, en tout cas pas de bourse Fulbright pour partir après le bac, pour faire un bachelor's degree. Mais la deuxième mission du centre de la Commission franco-américaine, c'est le Centre éducation USA. Qui est un centre d'information générale. Donc, moi, je suis Céline Ouziel, je travaille au Centre éducation USA et j'ai pour mission de vous informer sur le système universitaire américain, vous expliquer un petit peu comment ça marche, même beaucoup, les procédures d'admission, comment on choisit les universités, etc. Et puis, voilà, aujourd'hui, je vais plus particulièrement parler des tests qui sont demandés pour rentrer à l'université aux États-Unis. Donc d'abord un petit schéma du système universitaire américain pour que vous compreniez un petit peu comment ça marche. Donc il y a deux cycles d'études. Le premier cycle qui est juste après le bac, ça s'appelle le cycle undergraduate où vous pouvez passer préparer deux types de diplômes. Associate degree, c'est le niveau, on va dire, bac plus 2, qui vous prépare soit à des formations professionnelles, soit éventuellement les deux premières années du bachelor's degree, qui lui dure 4 ans. Hein. Donc, undergraduate, à la fin des 4 ans, vous avez un diplôme qui s'appelle un bachelor's degree. Et ensuite, deuxième cycle, graduate, donc c'est là qu'on prépare les masters ou les doctorats, pardon. Mais c'est aussi à ce niveau-là qu'on débute certains cursus, notamment les cursus de l'école de droit,
ou l'école de médecine ou d'autres écoles dans les domaines de la santé. Donc, par exemple, la pharmacie, les études vétérinaires, etc. Et à tous ces niveaux, en fait, il y a des tests qui sont demandés pour pouvoir être admis ou non dans des programmes diplômants. Il n'y a en fait que dans le community college où on va demander juste un test d'anglais, mais au niveau bachelor's degree, il y aura souvent des tests d'aptitude générale. Au niveau master, doctorat, on va voir, il y a des tests d'aptitude générale. Et puis, pour l'école de médecine, il y a un test spécifique. Pour l'école de droit, pareil. Alors, quelles sont les démarches pour se faire admettre dans une université américaine? Donc, la première chose à voir, c'est le calendrier. Chaque université a sa propre date limite de dépôt du dossier, mais généralement, les dates se situent entre le 1er décembre et le, on va dire, le 15 mars, de l'année qui précède, la rentrée universitaire. Donc, les personnes qui veulent commencer, par exemple, un master à la rentrée prochaine, ça peut déjà être trop tard pour déposer un dossier de candidature. Donc, faire attention au calendrier. Pour d'autres universités, c'est encore faisable, hein, mais ça dépend vraiment de celle que vous avez choisie. Donc, il faut choisir les universités. Je ne vais pas vraiment vous expliquer comment faire aujourd'hui parce que ça pourrait être le thème d'un autre webinaire. Donc aujourd'hui, je vais plus particulièrement parler des tests d'admission qui sont demandés. On va voir lesquels. Et les scores doivent être envoyés avant la date limite, hein. C'est pas une fois que vous êtes sur place ou après avoir déposé votre dossier de candidature. Donc le dossier de candidature, il y a toujours donc un formulaire à remplir en ligne sur le site de l'université en général. Et il faut fournir, souvent télécharger directement vos relevés de notes, vos diplômes. Généralement, il faut que ces relevés de notes soient également traduits en anglais, de préférence par un traducteur assermenté. Il faut aussi fournir des lettres de recommandation de professeurs et ou d'employeurs. Et il faut généralement écrire un essai ou personal statement, qui est une sorte de lettre de motivation. Pendant ma présentation, n'hésitez pas à écrire vos questions si vous en avez. Donc là, ce sont les tests d'anglais. Donc les tests d'anglais sont demandés évidemment aux étudiants non anglophones. On ne va pas demander aux candidats américains de passer ces tests. Donc à partir du moment où vous avez fait toutes vos études dans un pays non anglophone, donc évidemment c'est le cas de la France. On va vous demander de passer un de ces tests. Donc les plus connus, c'est le TOEFL et le IELTS. On va voir que c'est ceux qui sont les plus acceptés par les universités américaines. Mais vous pouvez éventuellement voir d'autres tests. Donc il y en a un qui commence à devenir de plus en plus populaire. C'est le Duolingo English Test. Quelquefois, vous allez peut-être voir le PTE, PTE Academic, Pearson Test of English, mais c'est vraiment très rarement demandé. Par contre, si vous avez déjà passé le TOEIC, malheureusement, c'est un test qui n'est pas suffisamment académique. Généralement, le TOEIC est demandé pour faire des stages ou pour valider un anglais un petit peu plus professionnel. Mais il n'évalue pas vos compétences en anglais académique. Donc, ce n'est pas le TOEIC qu'il va falloir passer en général pour se faire admettre dans une université américaine. Certains d'entre vous ont peut-être déjà passé un des tests de Cambridge, qui sont des certifications en anglais. Il y a quelques universités américaines qui acceptent les tests du Cambridge, mais vraiment très très peu. Donc il faut s'attendre à devoir passer plutôt soit le TOEFL, soit le IELTS.
Alors, le TOEFL. Donc, le TOEFL, c'est le test qui est le plus reconnu par les universités américaines. C'est généralement, quasiment toutes les universités américaines acceptent les scores au TOEFL. Donc, il y a quatre compétences linguistiques qui sont évaluées. Et on évalue également votre capacité à combiner ces quatre compétences dans un contexte académique. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire des exercices qui séparent les compétences. Vous allez combiner la compétence en compréhension orale et en expression écrite, par exemple, ou alors vos compétences en compréhension écrite avec l'expression orale, par exemple. Donc, c'est évaluer, vérifier que vous avez les compétences linguistiques pour faire des études supérieures dans un contexte totalement anglophone. Donc, le test est administré sur Internet. Alors, ça ne veut pas dire que vous faites ça chez vous. Il faut absolument aller dans un centre sécurisé. Il y a beaucoup de centres un petit peu partout en France. Et il y a la possibilité de s'inscrire très, très fréquemment. Il y a plus de 50 dates par an, un peu partout en France. Vous vous inscrivez en ligne sur le site qui est indiqué ici, donc www.toefl comme François L.org. Et le coût du test varie d'un pays à l'autre, mais en France métropolitaine, c'est 255 $. En revanche, par exemple, j'ai regardé pour la Martinique, ça coûte 180 $. Donc, dans certains pays, ça peut être un petit peu moins cher que 255 $. Donc, comme j'ai dit, quatre sections, les quatre compétences linguistiques que vous utilisez à la fois dans la vie de tous les jours et dans un contexte universitaire. Donc, reading, ça dure un petit peu plus d'une heure. Listening, compréhension orale, presque une heure. Ensuite, il y a généralement une pause de 10 minutes. La partie speaking est sur ordinateur. Donc, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais vos réponses sont enregistrées sur l'ordinateur et envoyées ensuite par Internet et corrigées par plusieurs personnes de l'autre côté de l'Atlantique, par les examinateurs d'ETS qui se trouvent à Princeton, dans le New Jersey. Donc, la partie speaking dure à peu près 17 minutes et vous avez peu de temps pour préparer votre réponse. Ensuite, vous avez la dernière partie qui dure environ presque une heure, la partie writing, donc expression écrite, que vous devez en fait taper directement sur ordinateur. La plupart du temps, les ordinateurs sont équipés de claviers QWERTY, donc ça veut dire qu'il faut vous habituer au clavier américain. La durée totale du test est donc d'environ 4 heures. C'est un petit peu à vous de gérer. Par contre, il faut savoir que souvent, vous êtes dans des centres avec plusieurs autres personnes, qu'il peut y avoir beaucoup de bruit autour de vous. Ça peut être un petit peu déroutant. Donc, il faut arriver à se concentrer pendant le test. Les scores sont entre 0 et 120. Beaucoup d'universités demandent plutôt 80 sur 120, ce qui correspond à peu près au niveau B1, B2, au niveau des classifications de langue européenne. Mais par contre, ce qu'il faut savoir surtout, c'est que ces scores ne sont valables que 2 ans. C'est-à-dire que si là, vous avez passé le TOEFL il y a 3 ans et que vous voulez partir aux États-Unis à la rentrée prochaine, eh bien, il va falloir repasser le test parce que vous ne pourrez pas faire envoyer des scores officiels à votre université d'accueil. Par contre, quand vous passez le test, les résultats sont disponibles normalement au bout de 6 jours. Alors, comment on fait pour se préparer à ces tests? Vous pouvez vous préparer gratuitement. Notamment en allant sur le site du TOEFL. Donc, je vous ai mis des liens là. Vous pouvez aller directement sur toefl.org
et vous trouverez une rubrique Prepare for the test. Donc, vous avez plein de préparations que vous pouvez télécharger en ligne. Vous avez même une application que vous pouvez télécharger sur votre smartphone ou sur votre tablette qui vous permet de répondre à des exercices, de vous entraîner. Vous avez ce qu'on appelle un MOOC, un TOEFL MOOC, Massive Open Online Courses. Donc, c'est une formation gratuite en ligne qui dure à peu près 6 semaines et qui vous permet de vous familiariser avec le format du test. Alors, c'est peut-être pas suffisant. Je dirais que c'est vraiment pour les gens qui ont déjà un très bon niveau d'anglais, qui n'ont pas forcément besoin d'une formation réelle en anglais. Ça vous permet, si vous voulez, de ne pas aller à l'examen sans savoir un petit peu ce qui vous attend. Donc, le TOEFL MOOC, je le conseille une fois que vous maîtrisez bien le niveau d'anglais requis. Il y a également des préparations payantes, donc surtout des bouquins que vous pouvez acheter en ligne. Donc, ici, vous avez deux sites sur le site d'ETS, ets.org, et puis aussi également le site toefl.goanywhere.org. Dans la rubrique TOEFL Practice qui vous donne tout un tas d'informations sur comment préparer au test. Alors faites attention aux ouvrages que vous commandez sur Internet, il faut vraiment que ça soit une préparation reconnue par ETS. Sachez également que beaucoup d'universités américaines ont des cours de préparation au TOEFL dans leur programme d'anglais intensif. Donc si vous pensez que votre niveau d'anglais est vraiment très limite, le mieux, c'est d'aller faire un séjour linguistique en immersion totale. Vous pouvez faire ça toute l'année. Il y a beaucoup de formations proposées tout au long de l'année et puis également en été, par exemple, ou pendant les vacances scolaires. Donc, ensuite, un autre test d'anglais reconnu par 3 400 universités américaines, en sachant qu'il y a plus de 4 000 institutions d'enseignement supérieur aux États-Unis. 3 400, c'est quand même presque la majorité. Donc, pareil, le IELTS a c'est le même principe que pour le TOEFL. Il évalue les 4 compétences linguistiques, donc listening, reading, writing, speaking. Par contre, faire attention quand vous vous inscrivez, vous avez deux types de IELTS. Vous avez le IELTS Academic, qui est en fait celui que vous devez passer pour les universités américaines. Vous avez également le IELTS General Training, qui est en fait plus pour ceux qui veulent immigrer dans un pays. Je crois que c'est pour ceux qui veulent immigrer en Australie ou au Canada, je ne sais plus. Le IELTS General Training, c'est ce qui s'apparente le plus au TOEIC, par exemple. Donc, c'est un test qui n'est pas suffisamment académique pour les universités américaines. Traditionnellement, le IELTS est plutôt administré sur papier dans des centres d'examen un petit peu partout en France. En revanche, depuis quelque temps, il peut également être administré sur ordinateur. Donc, vous pouvez choisir. Je pense qu'en France, vous pouvez passer le test sur papier ou sur ordinateur, c'est à vous de voir. Et c'est en fait le British Council qui s'occupe de ce test en France et qui propose aussi des préparations en ligne. Le coût du test est de 235 dollars, donc ça s'avoisine aux 255 dollars du TOEFL. Donc pareil, 4 sections. Par contre, le test est beaucoup moins long que le TOEFL, 1 heure et demie. Et la partie speaking n'est pas sur ordinateur. La partie speaking a lieu devant un examinateur. Donc, ça sera séparé du reste du test. Il faudra prendre rendez-vous pour passer en fait un entretien qui dure moins de 15 minutes. Les scores sont notés entre 0 et 9. Et de la même manière que le TOEFL, ces scores ne sont valables que 2 ans. Et la majorité des universités demandent 6,5 sur 9. Les universités les plus sélectives vont demander plutôt 7 sur 9, 7 ou 7,5.
J'ai oublié de dire tout à l'heure que pour le TOEFL, plus l'université est sélective, plus évidemment il faut se rapprocher des scores du score total de 120. Par exemple, les universités très très sélectives vont plutôt demander 100 ou 110 pour l'admission. Les résultats du IELTS sont envoyés au bout de 13 jours. Donc, comment on se prépare? Il faut que vous regardiez sur le site du IELTS. Il y a un certain nombre de préparations gratuites, mais il y a aussi des formations, des livres, des ouvrages de préparation que vous pouvez obtenir une fois que vous êtes inscrit pour le test. Vous pouvez recevoir une formation et vous préparer par vous-même. Vous avez aussi des préparations face-to-face dans un centre du British Council. Et bien évidemment, il est également possible de préparer le IELTS au cours de séjours linguistiques, soit aux États-Unis, soit au Royaume-Uni. Alors, il y a donc un nouveau test qui commence à faire surface, qui n'est pour l'instant pas reconnu par toutes les universités américaines, mais il est reconnu par à peu près 400 universités américaine en ce moment. Alors, c'est un test assez particulier puisque vous n'avez pas besoin de vous déplacer dans un centre spécifique. Vous pouvez faire ça chez vous. Vous passez le test en ligne à tout moment où que vous soyez, à condition que vous ayez un ordinateur, un casque, un micro et puis une très bonne connexion Internet et un endroit calme pendant à peu près 1 heure. Donc le test ne dure pas très longtemps, à peu près 1 heure. Et puis le coût est vraiment très, très faible par rapport au TOEFL et au IELTS, donc à peu près 49 $. Donc il y a deux sections. Il y a une section qui dure à peu près 45 minutes, qui est notée et qui évalue vos capacités en lecture, en écriture, en expression orale et en compréhension orale. Donc, et ensuite une interview vidéo où vous devez enregistrer des réponses à des questions ouvertes. Donc ça dure à peu près 10 minutes et je suppose que vous avez 5 minutes pour préparer les réponses. Donc si vous voulez plus d'informations sur ce test, vous regardez englishtest.duolingo.com. Alors ensuite, donc les tests d'anglais, je répète, ce sont des tests qui sont demandés aux personnes qui ne sont pas de langue maternelle anglais et qui n'ont pas fait leurs études dans un contexte totalement anglophone. Après, il y a des tests, en fait, qui sont demandés également aux étudiants ou aux lycéens américains. Donc, par exemple, pour entrer en bachelor's degree, donc tout de suite après le bac, la majorité des universités vous demandent le SAT ou le ACT. Et on va voir à peu près à quoi ça correspond. Si vous voulez rentrer en master ou en doctorat ou en MBA, par exemple, donc on va vous demander soit le GRE, soit le GMAT. Alors, ce n'est pas toutes les universités qui demandent ces tests, hein. Il y en a qui peuvent vous exempter parce que vous êtes étudiant international, mais il faut s'attendre quand même à ce qu'il y en ait pas mal qui vous demandent, en plus des tests d'anglais, de passer également un test d'aptitude générale. Donc, par exemple, pour entrer en bachelor's degree, on va vous demander soit le TOEFL, soit le IELTS, soit éventuellement le Duolingo, plus soit le SAT, soit le ACT. Et la plupart des universités très, 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 très sélectives, donc je pense à celles qui sont vraiment au top, top de la sélectivité, vont vous demander en plus des subject tests. Et on va voir à peu près à quoi cela correspond. Alors, j'ai une question de Chloé qui dit, quand on est franco-américain, quel test on doit passer? Alors, si vous avez fait, même si vous avez le passeport américain, ça ne veut pas dire que vous êtes bilingue. Donc, si vous avez fait vos études, toutes vos études dans un contexte totalement français, il faudra passer un test d'anglais. Donc,
Donc, faire attention à ça. Et si vous voulez être sûr de quel test il faut passer exactement, il faut contacter le bureau d'admission. Donc, le SAT. Donc, le SAT, c'est demandé uniquement aux personnes qui veulent rentrer en première année après le bac. Donc, pas besoin de passer le SAT si vous voulez aller en master, bien sûr, ou si même vous voulez aller en community college, en fait. Donc, les community college, généralement, ne demandent qu'un test d'anglais. Ils n'exigent pas des lycéens étrangers de passer le SAT. Donc, le SAT, il y a deux parties. En fait, la deuxième est en fait optionnelle. Il y a une partie QCM qui comprend des questions de compréhension écrite et d'analogie grammaticale. Voilà. Et puis aussi une partie mathématique avec des questions d'algèbre, de résolution de problèmes, d'analyse de données, de géométrie, trigonométrie, arithmétique, etc. Et puis, il y a un essai, une rédaction qui est optionnelle et qui est demandée généralement par les universités les plus sélectives. Le test est administré uniquement sur papier. Alors, par contre, faire attention, il n'y a que 4 dates dans l'année. Donc, il faut être bien organisé et surtout ne pas vous inscrire à la dernière minute parce que, par exemple, pour la prochaine date qui a lieu le 14 mars, il fallait s'inscrire avant fin janvier. Sinon, après, c'est le 2 mai, le 3 octobre et le 5 décembre. Et je vous rappelle que ces tests, les scores à ces tests doivent parvenir à l'université américaine avant la date limite de dépôt du dossier. Donc, il y a beaucoup de facs très sélectives qui veulent tout le dossier de candidature avant le 1er décembre, ce qui veut dire que la dernière date pour passer le SAT, ça va être le 3 octobre, parce que le 5 décembre, ça sera déjà trop tard. Donc, pensez à ça, que vous ne pouvez pas passer ces tests n'importe quand. Par contre, le TOEFL et le IELTS, généralement, ça, c'est administré beaucoup plus fréquemment. Les scores sont notés sur 1600 points. Et, à chaque partie, Evidence-Based Reading, c'est sur 800 et les maths sur 800. Donc, plus l'université est sélective, plus il faut se rapprocher des 1600, en sachant que contrairement au test d'anglais, on ne va pas vous demander de score minimum, mais vous pouvez avoir des statistiques sur les scores obtenus par les candidats qui ont été recrutés l'année d'avant. Donc les universités qui sont vraiment très sélectives, je pense à Stanford, Harvard et compagnie, faut vraiment avoir un score qui est de minimum 1500, 1550 pour déjà passer la première étape d'admission. Donc le test, vous pouvez le passer en France, faut pas forcément aller aux États-Unis pour ça. Il y a des centres d'examen, c'est généralement des lycées internationaux qui sont basés à Paris, à Bordeaux, à Aix-en-Provence, Rennes, Strasbourg et Caluire et Cuire, c'est près de Lyon. Et si vous voulez vous inscrire, il faut le faire en ligne à partir du site sat.org. Il faut créer un compte, remplir tout un dossier et puis payer en ligne. Les frais pour les étudiants internationaux sont de près de 90 dollars. Alors, en plus du SAT général, vous avez également des tests complémentaires qui ne sont pas demandés par toutes les universités, mais qui peuvent être demandés par les Ivy Leagues, par exemple. Donc, les subject tests. Donc, il y a 22 subject tests différents, mais on ne vous demande pas de passer les 22, mais on vous demande souvent d'en choisir deux ou trois. Donc, par exemple, il y a des sciences, biologie, chimie, physique, il y a des maths. Mais supérieur aux maths du SAT général. Il y a de l'histoire, soit l'histoire des États-Unis, soit l'histoire du monde. Il y a de la littérature, alors c'est plutôt de la littérature américaine. Et puis, il y a des langues étrangères. Alors, il y a des personnes qui se disent, bon, bah, allez, je vais faire le français parce que c'est ma langue maternelle, donc je vais avoir un très bon score. Mais faites attention, il y a des bureaux d'admission qui trouvent que c'est un petit peu fainéant de passer un test de français alors que c'est du français langue étrangère. Donc, normalement, vous avez 100%, mais
Peut-être qu'il faut essayer une autre langue que vous maîtrisez bien, par exemple, je sais pas, l'espagnol. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le SAT est administré en même temps, enfin, les subject tests sont administrés les mêmes jours que pour le SAT normal, et il y a deux dates supplémentaires pour les subject tests. Il y a en fait le mois de novembre. Donc, il y a la possibilité de passer un subject test pendant le mois de novembre et il y a le mois de juin. Et sachez que vous ne pouvez pas passer les deux le même jour. Donc, si vous devez passer le SAT General plus les subject tests, du coup, vous devez choisir, vous inscrire à deux dates différentes. Alors, comment on se prépare au SAT? Donc, il y a quelque chose de très utile et gratuit, c'est la Khan Academy, c'est très bien fait, c'est une formation en ligne où vraiment vous pouvez vous préparer de A à Z. Donc, regardez bien sur le site du SAT, regardez la Khan Academy. Il y a des practice tests que vous pouvez télécharger en ligne toujours gratuitement. Et si vous voulez acheter un bouquin, prenez plutôt The Official SAT Study Guide, une édition récente de préférence, parce que le test, le format a été modifié en 2016. Donc, il ne faut pas du tout acheter un ouvrage qui date d'avant 2016. Donc, un test qui est concurrent au SAT, alors il ne faut pas forcément faire les deux, hein, quoi qu'il y a des personnes qui font les deux pour voir, pour essayer d'atteindre le score le plus élevé possible. Donc, American College Testing Program, le ACT, qui comprend cinq sections, surtout des QCM, donc d'anglais, de maths, de compréhension écrite, mais en plus, en fait, c'est les mêmes parties que pour le SAT, ça mesure la même chose que le SAT, mais il y a des questions scientifiques, il y a des questions de biologie, de physique, etc., en plus. Et il y a également une partie, une rédaction optionnelle que vous pouvez faire. C'est encore une fois les universités les plus sélectives qui souhaitent que vous passiez le writing test. Alors, contrairement au SAT qui est sur papier, le ACT maintenant en France n'a lieu que sur ordinateur et il n'y a que deux centres d'examen uniquement à Paris. Il n'y a pas d'autres centres en France. Donc, si vous n'habitez pas la région parisienne, peut-être qu'il faut plutôt opter pour le SAT. Le score maximum du ACT est de 36. Les universités les plus sélectives demandent à partir de 34, 35 sur 36. Par contre, il y a sept dates par an. Donc, vous voyez les dates qui sont indiquées sur le côté. Prochaine date en avril, après il y a juin, juillet, septembre, octobre et décembre. Comment se préparer? Bon, c'est la même chose que pour le SAT. Vous pouvez vous préparer gratuitement en ligne grâce à la ACT Academy. Donc, vous regardez sur le site, il suffit de s'inscrire et vous suivez la formation qui vous est proposée. Vous pouvez aussi télécharger des formations Computer-Based Practice Test, donc à télécharger directement sur le site du ACT. Et vous pouvez aussi commander l'ouvrage officiel de préparation, le guide officiel pour vous préparer au ACT. Y a-t-il des questions par rapport au test pour la première année, pour rentrer en première année? Alors, je vais assez vite, hein, mais tous les sites là que je vous ai indiqués, il faut vraiment y passer un petit peu de temps pour avoir plus d'informations. Alors ensuite, les tests d'aptitude pour entrer en master. Donc, toujours un test d'anglais, donc soit TOEFL, soit IELTS, soit peut-être éventuellement Duolingo. Mais en plus, on peut vous demander soit le GRE, soit le GMAT. Alors, traditionnellement, le GRE, c'est plutôt demandé pour les Master of Arts ou les Master of Science. Le GMAT,
C'est typiquement le test d'admission qui est demandé pour entrer en MBA, Master of Business Administration, ou des masters qui sont liés au domaine du management ou de la finance, par exemple. Et il peut y avoir aussi, en plus du GRE, des subject tests comme pour le SAT. Alors, le GRE. Alors, on appelle ça le Revised General Test parce qu'il a été modifié, révisé il y a plusieurs années, mais là maintenant, ça fait presque 10 ans. Donc, ça veut dire Graduate Record Examination. C'est demandé, donc, comme je vous ai dit, par les Master of Arts, par les Master of Science, mais aussi par les doctorats. Et maintenant, il y a beaucoup de MBA aussi qui vous laissent le choix entre le GRE ou le GMAT. Il y a une partie analytical writing qui sont des dissertations. On vous demande de disserter sur un sujet précis, d'argumenter sur un point précis. Ça peut tomber sur n'importe quoi. Il ne faut pas avoir forcément de connaissances précises particulières. Et puis, il y a des QCM, de verbal reasoning, donc beaucoup de. Il faut avoir un très bon vocabulaire en anglais. Une bonne grammaire. Je vous rappelle que ce test est également demandé aux étudiants américains et les étudiants américains qui peuvent eux-mêmes avoir quelques petits soucis pour passer le GRE. Donc, il faut beaucoup réviser, beaucoup travailler pour ce test. Et puis, vous avez une partie quantitative, donc des maths, beaucoup de résolution de problèmes en fait, et ce sont également des QCM. Généralement, les Français, par exemple, qui sont en école d'ingénieur, n'ont pas trop de mal, pas trop de difficultés pour la partie quantitative. Mais par contre, la partie verbale est quand même assez costaud. Les scores sont notés de 130 à 170 pour les QCM et de 0 à 6 pour les rédactions, enfin pour les dissertations. Si vous voulez plus d'informations et pour vous inscrire, il faut aller sur le site du GRE, donc gre.org. Vous avez aussi un autre site qui s'appelle takethegre.com et toute une rubrique sur comment préparer au test. Donc, il y a également des préparations gratuites ou des livres, des ouvrages que vous pouvez commander en ligne. Alors, le GMAT, c'est typiquement le test qui est demandé par les programmes de MBA. Alors, Nesrine demande, peut-on s'inscrire dès la seconde? Alors, si vous voulez faire des études après le bac, vous allez faire plutôt les tests d'anglais et puis SAT ou ACT. Ces tests-là, vous pouvez les commencer à les faire, à les préparer en seconde, c'est plutôt une bonne idée. En revanche, je dirais qu'il faudrait les passer une première fois en première pour avoir une idée du score. Et puis, si vous n'êtes pas satisfait de votre score, vous pouvez le repasser une deuxième et une troisième fois. L'idée, c'est vraiment d'atteindre des scores les plus élevés possibles en sachant que chaque test a un coût. Donc, j'ai parlé tout à l'heure du coût des tests d'anglais, TOEFL 255 $. Donc, il faudrait éviter de le passer 10 fois. IELTS 235 €. Le SAT, c'est 90 $. Le ACT, à mon avis, ça doit être à peu près le même prix, dans les 90 $. Le GRE, ça doit être, si je me trompe pas, 150 $, il me semble. Le GMAT, ça doit être à peu près 200 $. Donc, vous pouvez passer ces tests plusieurs fois, mais c'est vrai qu'à chaque fois, il faut dépenser une somme assez importante. Donc, il vaut mieux bien le préparer avant et ne le passer qu'une seule fois. Donc, comme pour le GRE, le GMAT a une partie dissertation analytical writing et une partie integrated reasoning. Donc, ça, c'est à la fois des questions de maths et quantitative and verbal reasoning. Donc, ça, ce sont des QCM. Les scores sont de 200 à 800 pour les QCM et les rédactions de 0 à 6. Il est bien évident que
évidemment, plus les universités sont sélectives, plus elles veulent des scores qui s'avoisinent du score total. Donc pour le GRE, par exemple, pour les écoles très très sélectives, comme je ne sais pas moi, par exemple, MIT pour faire un Master of Science, il vaut mieux avoir au moins 160, 165 sur 170. Et puis pour les MBA, les plus sélectives, il vaut mieux avoir à partir de 700 sur 800 pour avoir une chance de passer en présélection. Donc si vous voulez vous inscrire au GMAT, il faut aller sur le site tout bête de mba.com. Vous avez toutes les infos sur le site. Et vous avez également du matériel de préparation. Je ne suis pas sûre que ça soit du matériel gratuit, mais il y a des ouvrages que vous pouvez commander en ligne. Alors, Yaya demande pour des études de cardiologie. Justement, on va voir après, il y a d'autres tests qui sont demandés, notamment par les écoles de médecine. Voilà, donc quand je vous ai montré le schéma des études supérieures aux États-Unis au tout début de cette présentation, donc la médecine, c'est un cursus qu'on n'aborde pas avant le cycle graduate, donc avant un bac plus 4. Donc, vous devez d'abord faire des pre-medical studies pendant 4 ans, ou pour entrer dans le système pre-med, il faudra passer le TOEFL et le SAT ou le ACT. Vous faites des études de biologie, de sciences, de culture générale pendant 4 ans. Et pour repostuler en école de médecine ou en école dentaire ou en école vétérinaire, vous devez passer encore un autre test. Donc pour l'école de médecine, c'est le Medical College Admission Test. Et si vous voulez faire de la cardiologie, alors là, ça va être beaucoup plus tard, puisque c'est une spécialité de médecine. Donc ça sera encore un autre test spécifique qui sera que vous devrez faire encore plus tard. Alors, question, quand on est inscrit en doctorat et invité lors de notre doctorat, quels tests sont demandés? Alors, ça dépend quel statut vous allez avoir aux États-Unis. Si vous allez préparer un diplôme, c'est-à-dire si vous voulez faire vraiment un doctorat américain, à ce moment-là, il faut faire un dossier de candidature en PhD. Et là, généralement, ça dépend de l'université, hein, mais on vous demande un test d'anglais et un test comme le GRE. Si par contre vous êtes par exemple visiting student, donc là c'est une formation non diplômante, vous êtes inscrit en doctorat en France ou dans votre pays d'origine et vous allez passer 6 mois, peut-être maximum un an dans une université en tant qu'invité, là généralement on peut ne pas vous demander de test. Et ça peut être un entretien téléphonique avec la personne qui vous invite. Mais ça, c'est vraiment très variable, ça dépend de l'université. Peut-être que l'université va quand même vous demander le GRE pour vérifier que vous avez le niveau. Mais comme vous n'allez pas avoir leur diplôme, je pense que dans la majorité des cas, vous êtes exempté de test. Dernier test qu'on peut vous demander si par exemple vous voulez rentrer en école de droit. Donc là, c'est le School Admission Test qui est demandé une fois que vous avez fait les 4 ans préliminaires qu'on appelle pre-law. Donc c'est un bachelor's degree dans n'importe quel domaine. Et au bout des 4 ans, vous devez repasser un test, le LSAT, pour pouvoir entrer dans le programme de JD, Juris Doctor. Par contre, il y a des personnes, notamment en France, qui font un master de droit en France et qui veulent faire un master de droit américain. Et là, du coup, ce n'est pas un JD, c'est un LLM. Et pour le LLM, on ne demande pas le LSAT. On demande que le TOEFL ou le IELTS. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, il y a plein d'autres tests qui peuvent être demandés. Ça dépend de l'université.
Mais là, je vous ai vraiment parlé des principaux. Alors, connaissez-vous les tests demandés par Columbia? Non. Il faut aller sur leur site. Normalement, c'est les tests de langue demandés par Columbia. Mais pour faire quel programme? Parce que ce n'est pas l'université, il n'y a pas un test par université. Il y a un test par type de programme. Si c'est pour entrer en doctorat, à mon avis, ça va être un test d'anglais et le GRE. Donc pour les tests de langue, si c'est en tant que visiting student, moi je pense qu'il n'y aura pas de test, hein. Mais ça, il faut vraiment voir avec Columbia directement. Parce que le statut de visiting student, ce n'est pas pour préparer un diplôme, c'est un statut très propre à chaque département. Donc il faut vous renseigner directement auprès de Columbia pour savoir ce qu'ils veulent exactement. Alors, si vous voulez, donc plus d'informations sur le système universitaire américain, donc vous allez sur notre site internet, je vous montre, donc vous avez dans la rubrique étudier aux USA, les études aux États-Unis, le système universitaire, procédure d'admission, test d'admission. Donc, tout ça, c'est sur notre site. Vous avez également le site du réseau Education USA. Donc, dans la rubrique Your Five Steps, par exemple. Ici, donc la première étape, recherchez vos options, comment choisir votre université, quelles sont les bourses qui sont disponibles, comment remplir votre dossier de candidature. Et c'est là que vous allez également avoir les infos sur les tests d'admission. Et puis après, si vous avez en fait déjà obtenu une admission dans une université, vous pouvez avoir des infos sur le visa et comment préparer votre départ. Pour information, nous organisons à la Commission franco-américaine à Paris entre 2 et 3 séances de préparation au départ pour les personnes qui ont été admises dans une université américaine pour le cycle suivant. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire sur notre newsletter pour en fait en savoir plus, pour recevoir des alertes sur nos prochains ateliers et nos prochains webinaires.